Montre-nous que tu as du doigté. Tout le monde me dit que j'ai des doigts de pianiste et des doigts de. On dit que j'ai des doigts de fille, donc ils sont un peu passe-partout. Test remake mental, elle est vraiment cool. On va aller voir ça. Remake mental. Putain, le R comme ça, mais faut qu'ils arrêtent avec les trucs comme ça. Alors. R. Si je mets juste R comme ça trouve. Ouais! Alors attends, tu m'as dit remake mental. Il y a R mental. De Predator 666. C'est bon le bacon, mais ça donne soif. Remake de mental. Ah, ça part en backward. Ah ouais, non mais voilà, elle est cool pour quelqu'un qui sait jouer. Moi, je sais pas faire des jumps. Oh, j'ai réussi. On va tester quand même. Je sais pas faire de jump arrière. On va essayer un peu. Ah, c'est ça le secret du jumping arrière. Oh. C'est bien pour s'entraîner, bah je veux bien te croire. Ah d'accord, ouais, tu mets la roue avant, c'est fini, ok. Oh, c'est chaud, j'arrive même pas à enchaîner trois. Trois jumps d'affilée, c'est chaud quand même. Parce qu'en plus, c'est pas des petits jumps, quoi. Allez, allez, non, 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 dommage. J'y étais. Ah, j'y étais. C'est vrai que c'est bien pour s'entraîner ça. Ah non! Ah j'y étais, j'y vais arriver. Ah fuck. Penche pas autant en arrière, ouais bah je sais, mais c'est pas facile. Je me suis pas encore assez entraîné à ce truc. Parce qu'après quand je penche pas trop en arrière, bah je suis trop en avant. Et quand je suis trop en avant, bah la roue avant elle tombe. Voilà, là je suis trop en avant, donc j'ai plus assez de puissance d'amortisseur pour jumper. Putain, en fait faut juste que le lancer soit bon et le reste va suivre tout seul. Ah presque. Oh j'y suis. Je vais y arriver. Ah fuck. Ouh trop. Trop. Merde, trop. Ça y est. Non, ça y est. Quoi? Oh non, faut continuer en arrière sur la roue. Ah mais ça je sais pas faire par contre. Les jumps encore je sais faire. Mais la roue arrière en arrière je sais pas faire. Ça c'est mort, je sais pas faire encore.
On va regarder un replay pour voir à quoi ressemble la piste quand même. Merde, c'est pas ça. Quand elle tombe, mets un coup d'accélérateur et freine juste après. Faudrait que je, vraiment, je vais la favoriser cette piste et puis je vais m'entraîner. Est trop risqué pour son niveau, mais c'est clair, c'est trop risqué pour son niveau. Ah, le jour où je réussirai à finir cette course, putain, je serai content. Oh la vache. Y a pas de checkpoint en plus. Ah, y a pas de checkpoint. Oh la vache. Pas pour moi. Back to 70s de Moonfish 73. Encore, disons, il a l'air assez prolifique. Enfin, quoique, ils prennent aussi des vieux circuits. Je vous invite à regarder The 70s Show, That 70s Show. J'adore cette série. Trop marrante. Right up memory hill. Alors. Wouhou! D'accord. Elle est pas simple, simple. D'accord. Allez, passe le checkpoint, s'il te plaît. Voilà. Ah, terrible les chaises années 70, très très bien faites. Oh, mais non. Oh, mais dis donc, mais c'est une petite extrême ça. Une petite extrême climb même, je dirais. Oh là là! Bah alors? Bah, ça me paraît pas si compliqué que ça, pourquoi j'y arrive pas là? Là, j'ai un problème de perspective avec la caméra qui se décale là comme ça. Moi franchement ça passe, j'ai eu le jeu il y a 3 mois et je l'ai réussi. Non mais toi t'es jeune aussi. Oh le bâtard! C'est quoi cet obstacle? C'est pas Coubertin là? Mais non. Ah ça va, ça va, je pensais que c'était plus compliqué que ça mais ça va. D'accord, pourquoi vite? Mais pourquoi je... Ouais, ça passe, c'est bien, tant mieux, c'est bon, c'est cool, vous avez rien vu. Ouh là là. Tu pourras m'ajouter un ami sur One? Ouais, y'a pas de soucis. Mais je fais ça après parce que si je vais dans les menus, ça va couper le stream. Donc ajoute-moi, comme ça j'aurai la notification que tu m'as ajouté, puis comme ça bah, je t'ajouterai. Bon, elle est très chouette. Très très chouette. Mais ils sont où les années 70 là-dedans? Je les ai pas vus. À part les chaises à un moment sur la terrasse. C'est dommage, mais elle est chouette. Il n'y a rien fait du tout, c'est déjà comme ça dans l'éditeur. Bah putain, elle me disait rien ces chaises. Ou alors elles sont jamais utilisées.
Wack Castle, agent HX3. Oula. Phoenix 31 foot. Champi 29. Ils devaient tous être totalement torchés quand ils ont fait circuit, ou alors il est vraiment difficile. Ça marche, Code Killer. Ah, mais il y en a un autre aussi qui m'a ajouté comme ça en ami et il ne voyait pas mes temps sur Trial Addict. Essaie de m'envoyer un MP sur Xbox et comme ça je checkerai ton profil. Putain. Ah, d'accord, mais c'est une ninja en fait. Qu'est-ce qu'il faut en recommander celle-là? Depuis quand il recommande du ninja? Ah ouais, je comprends mieux les 40 fautes de Bidule. Putain! J'ai freiné. Là, mes pieds me gênent. Ouh, il est balèze celui-là. On va au moins essayer de passer cette première portion. Pourquoi je freine à cet endroit-là alors qu'il n'y a pas besoin? Mais... Oh putain, je réfléchissais trop à ce qui se... Oh là là, mais c'est quoi cette montée qu'il faut taper après? Ouais, voilà, on va voir un replay à quoi ça ressemble. Wack Castle. Ah bah tiens, Zach en premier, c'est pas mal. Ça c'est chaud pour moi. Putain, la montée. Ah, oh, la montée. Ok. Oh la vache. Ça c'est chiant. Oh mon dieu! Mais c'est une level 2 ce machin! C'est une level 1 très difficile ou une level 2 facile, mais. Qu'est-ce qu'il faut dans les recommandés? Sympa, hein? Mais bon. Breeze of Freedom, Killzone 8. Ok, on y va.
Ah, c'est R3 de Realistic to Change. Et donc R3. Ah, terrible. Pourquoi elle a fait ça? C'est marrant. Donc on a le droit au soleil couchant, à la brise fraîche du matin, à la nuit. Pas mal celui-là, pas mal cet éclairage. Cool! Vraiment, je trouve ça chouette. Bah, mon préféré, c'est celui-là. Ça fait vraiment journée d'hiver, matinée d'hiver. Vraiment très très chouette. Pareil, Calzone, c'est vraiment un créateur de génie, hein. Vraiment de génie. Il a le souci du détail, et en plus il a souvent des... Oh là 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 là. Il a souvent des très bonnes lignes de course. Ils sont très agréables à rider. Bien le dirigeable au fond. C'est un excellent taf. On a une cohérence dans l'univers, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très très bon taf. Très bon taf celui-là. Spotlight de Cordotum. Cordotum, il paraît que c'est un très très bon créateur. Je connais très très peu de pistes de lui, mais il paraît que c'est un très bon créateur. Bon, c'est cool cette petite série de vidéos. Je vais enfin pouvoir reproposer un peu de trial sur ma chaîne YouTube. Cette petite série de circuits, je veux dire. Alors, Spotlight. Wouh! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il a surchargé son truc. Wouh! Pas mal, pas mal. Ambiance très Mad Maxienne, post-apo. Ah, terrible, compteur de faute avec chrono. Pas mal du tout, pas mal du tout. Excellente, excellente. L'ambiance est survoltée, on sent la vitesse. Terrible, on a le chrono qui nous suit comme si c'était une course un peu post-apo, dangereuse et tout. C'est excellent ce qu'il a fait, c'est vrai. Oh, c'est énorme. Oh, magnifique. J'ai eu mon petit frisson habituel, là, quand j'ai des bons frissons... Quand j'ai des bonnes frissonnades, quand c'est des circuits de qualité. Ah oui. Oh là là, oui. Magistral. Ah dommage, elle est un peu courte. Parce qu'on a vraiment envie d'en voir plus. Elle est monstrueuse, monstrueuse. Corps de Tom, monstrueuse celle-là. Ah d'accord, comme si on avait regardé un film. Pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. C'est quoi? C'est tous ces gars qui l'aiment bien? Un coucou à tout le monde! Hey, y'a Memeno! Hey, HP Dante, la légende! Y'a le Beer, Inquisitor Finn, Easy Princess, hey, pas mal, pas mal. Kylie Man, Kylie News, Kylie. C'est bien, ça fait une liste des meilleurs créateurs. Chronorb. Super mayonnaise, il y a un créateur, c'est vrai qu'il s'appelle Super Mayonnaise. Team of Five, The Blaze GP, eh bah dis donc, il y en a du monde là-dedans. Exemple, et Zach. Zach. Faudrait que je lui demande un jour pourquoi il a autant de Z. Il m'a oublié le salaud. Ah, mais Spotlight! Le circuit s'appelle Spotlight. C'est peut-être la liste de tous ceux qui sont passés en Community Spotlight, peut-être. Et qui sont créateurs. Peut-être. On sait rien. En tout cas, le circuit est super. Midian Game.